Moi, ça allait tout le monde. Non, maman, ma papa, ben moi, c'est Joseph Michaud. Ma travaille pour un média en ligne qui est radio Télémakanda. La police tuée. Déjà, moi, je suis content pour bilan. Dans pile journaliste qui débarque, qui vient prendre bilan la main pour capable à Simaël. Mais dans bilan, DG, je ne suis pas remetté. Dégâts la police fait ce journaliste, non? Maxi Ben Lazare, la police tue sous ta voie. Romel Solvalse, Vilsen, la police tue nan mitan commissariat. Juste nous fait yo maquillage nan la avec li. Dans l'hôpital, pour me dire c'est dans l'hôpital de mon policier pour un gros ami. DG, c'est même pas ça, je dis à poil. Pour tes messages là pour vous. Moi-même, quand je parle à vous là, mardi 25 octobre à 3h de l'après-midi, sous chaque masque là, ma travail, m'a étudié pour ça. Jusqu'à présent, pendant la police a fait une arrestation, un policier pour un gros ami. Li fan une caméra là maintenant en deux. Nous avons mouri qui était 7 petites. Vous comprenez ça, vous avez prévenu? Nous avons parlé sur ça. Malé dans l'IGPNH. Vous prenez doléances. Vous auditionnez. Jusqu'à présent, la police n'a jamais dit est-ce qu'il y a besoin de prendre caméra? Caméra par caméra, l'État, c'est mon travail, j'ai acheté caméra par. Est-ce qu'on parle de l'autre bilan? Mais. Jodi a, la police arrête les journalistes dans la fonction de travail. Ils ont pas de lui. Ils ont entravé dans le commissariat. Ils ont humilié. Ils ont pas de nous. Moi, je ne vais pas mettre ça dans le bilan, oublier ça. Ça ne va pas arriver dans un ou deux. Je pense, est-ce qu'on parle de notre bilan pour journalistes spécial? Parce que c'est nous-mêmes qui pouvons porter une nouvelle là pour vous. Merci. Martin Bilan. Je dis nous que pendant que nous travaillons pour améliorer les conditions policières, pendant que nous prenons les mesures pour que nous encadrions les policiers, en même temps tout, nous appliquons rigueur avec policiers, les gagner une faute administrativement grave et les gagner une infraction, nous prenons responsabilité comme commandant. Ce n'est pas sans raison que il y a plusieurs policiers qui sont révoqués, il y a un policier qui a... qui est positif pour l'institution, l'aime considérer niveau criminalité, gagner et puis façon, il opère chaque jour. Donc c'est comment vous comprendre une quantité saisie comme ça déjà. Quantité de armes que nous saisissons, c'est fuit un effort considérable policier dans la rue. Sans en vivre aujourd'hui, la solution au problème n'est pas uniquement la police, mais un mariage en différents secteurs dans la vie nationale. Si nous saisissons les armes à rentrer, si nous saisissons cartouches, cartouches à rentrer, donc, on a une idée. C'est ça qui fait que, au niveau structure sécurité pays, il y a une tête ensemble pour que une synergie qui développe, une approche multidimensionnelle qui fait la question sécurité pays, pour nous joindre le résultat que nous escomptons. Ces ISAMIO, c'est un effort considérable pour la police nationale d'Haïti. Alors, non, pas M. Ouena Toussé, je travaille pour la Voix de l'Amérique et je travaille pour ma bougnose. Mon bon question à deux volets. Alors, première question, c'est que nous connaissons un pile policier qui habitait dans une zone non droit. Il y a un pile policier nous connaît, qui habitait dans une zone non droit, mais qui courit, qui était la caillou à cause d'insécurité, malheureusement,
à cause de la sécurité, les bandits ont fait courir. Gay c'est quand mon y a dormi qui ça la police les mêmes les fait pour policiers ça eux qui en difficulté et ne connaît tout est gagné un projet qui est évalué à environ 12 millions de dollars américains un projet logement social pour policiers il y a 60% dans l'agence qui est débloqué rien pas jamais fait pour eux donc qui ça cap fait pour eux deuxième la question là c'est que il y a un pile monde qui partage l'idée comme quoi pour ta gagner une force étrangère qui venait dans le pays, hein, le fait que malgré j'ai fait la police là, alors nous dit la police l'a fait, mais il dit la police n'est pas capable. Parce que si le citoyen n'est pas capable, effectivement, par exemple, si on a besoin dans le nord, ou pas capable passer, ou besoin de la caillou dans la zone sud-est pour passer par des bouquets, que ce soit immatissant ou pas capable passer. Et donc, est-ce que, ou au contraire, la police là, partager l'idée pour gagner une force internationale qui vient aider, faire face à situation ça pour permettre à ce que citoyens soient capables de vaquer librement à occupation. Merci. Malheureusement, nous constatons plusieurs quartiers et zones métropolitaines. Nous avons une situation sécuritaire qui est troublée. Et qui force les policiers à déplacer, à aller dans d'autres zones que eux estimaient plus ou moins en sécurité. Son situation que le pays a vu. Malheureusement, nous n'avons pas de programme immédiat qui a appliqué pour répondre à la question. Ça. Sauf que nous avons dit, au commandement, dans la mesure qu'elle est capable de recevoir des policiers et porter coller avec les policiers et partager les permis ensemble avec eux. Et nous avons mettre tout. C'est la solution au problème pour nous bailler. C'est quartier pour nous contrôler. C'est démantèlement gang pour nous faire. Pour que nous solutionnions les problèmes. Concernant le projet logement pour les policiers, il y a un projet qui est encore bien avant que le commandement ça là. Malheureusement, qui n'est pas arrivé à terme. Malgré un grand pourcentage dans l'argent versé avec film de construction. Nous au courant de problèmes là. Nous écrit gouvernement, spécialement Premier ministre nous. Il y a une rencontre qui fait entre plusieurs entités dans l'État. Et je suis sûr que le problème là résoudre dans le jour qui va venir à travers la décision qui parle plein. En haut lieu. Concernant la présence en force étrangère dans le pays, en Haïti, c'est l'autorité politique qui représente le pays. Donc, et c'est la responsabilité qui incombe aux autorités politiques. À partir d'évaluation que vous faites et vous faites des demandes au niveau de la communauté internationale. Pas oublier le monde dans son village. Haïti, pas pourquoi son village. Nous, comme professionnels, nous, comme force de l'ordre, responsabilité nous, c'est collaborer à tout le monde qui a venu des pays. En question de sécurité. Ce n'est pas à nous-mêmes qui décider vini ou pas vini. Les forces de l'ordre. Mais le job par nous comme professionnels, c'est respecter les décisions des autorités politiques et collaborer convenablement avec toute force qui disposait vini par un coup de main en Haïti. Et comme Haïti fait partie d'un village, et nous fait partie d'une région, donc nous ne pouvons pas traiter d'être nous seuls. Les questions de sécurité sont un bagage global de l'île. Bonjour. Alors, moi c'est Roland Emmanuel Bouchard. Je travaille pour Radio Télé Zénith. Question par maintenant, les gars de volets.
Alors, et déjà, je ne connais pas si c'est moi qui mal tendé. Dans le bilan que vous avez fait, je ne pas tendé que vous dites zone police là, rivière récupérée, qui sous contrôle bandit pendant toute l'année 2023. Là, nous connaissons que zone métropolitaine, non, les mêmes, les saturés, ou pas quitter la capitale là pour aller dans le nord, ou encore pour aller dans le sud, même en gros partie dans la zone métropolitaine. Non. Et deuxième volet, nous sommes journalistes, nous dans la rue, hein, nous avons des cris de la population. Pile dans qui dit police nationale, là, je ne dis pas, l'Ivin Tounen, une police particulière, il pas protéger la population vraiment. C'est plus des particuliers, la protéger, et puis intérêt particulier, la protéger. Mais qui soit capable de répondre avec un pile monde dans la société a, qui comprend la police là. Comme ça, je ne dis pas, la police nationale là vraiment, pour yo, des sentiments, tout bon, et bien police ça, c'est police nationale, hein, c'est pas une police particulière. Merci. Pas oublier que nous dit que le pays a vécu un moment extrêmement difficile. Et surtout, en matière de sécurité. Sécurité n'a pas un domaine pour col, un pile domaine qui influence. En pile fois, domaine sécurité a ses conséquences de ou ensemble de l'autre action dans l'autre domaine qui va nous. La police là, à vous promet chaque jour à bandit. Si nous suivons les réseaux sociaux, publication de la police, là, avec le même moyen que la police a gagné, nous gommons à bandit et nous réalisons des opérations qui peuvent fuir. Dit que la police a failli à mission, présenter la police là comme une force nulle, c'est anti-jean grave. Pendant que les policiers ont sacrifié vie dans la rue à chaque jour pour protéger nous. En pile fois, tout le monde, la caille, la rue chaud, mais la police a obligé là dans la rue pour protéger bien nous, pour protéger vie nous. Comme pays a vécu une situation difficile, il n'est pas arrivé seulement à la police là pour résoudre le problème que nous avons aujourd'hui, mais il demande pour chaque secteur en dans vie nationale là pour te coller. Mais ensemble pour nous résoudre le problème que nous gagnons. La police a déterminé et nous prêts pour nous continuer à faire sacrifice, engager nous dans la lutte pour libérer la population. Nous pas décourager et nous continuer à faire. Canara, actuellement nous commençons l'opération de démantèlement des dents. La profiter espace ça pour demander moun canaran. C'est le moment pour que yo plus collaborer avec la police. On met ensemble pour que nous rend canaran village li vivable. Qui a gen 2-3 moun qui a terrorisé population. M'a demandé population pour te coller avec la police là pour nous résoudre problème. Actuellement, nous commençons le processus de démantèlement gang au niveau du canal. Quel effort que la police a fait? Si nous prenons le blocage terminal Varoué, libération Varoué, c'est une victoire policière. C'est au prix de sacrifices, plusieurs opérations réalisées, en pile échange de tir. Chaque soir après une opération, nous obligés de regrouper nos salles pour nous regarder des vidéos, pour nous regarder qui gens que qui meilleure stratégie pour nous utiliser le lendemain. Jusqu'à ce que va relibérer gaz sorti. Moi, demandez-nous visiter vidéo. Si vous avez un petit doute, sous journaliste responsable, que nous croyons tous là, dans nous,
Nous étions ouverts dans l'institution de la police pour nous partager des vidéos avec nous pour nous regarder. Qu'on a visionné, pour regarder. 30 ans, pour regarder. Laisse ça. Les gens qui n'ont pas formé conviction sur ça, ils n'ont pas formé conviction sur ça. Autre question? Nous allons prendre deux dernières questions. Et parce que nous connaissons que les questions en pile. Deux dernières questions. Bonjour tout le monde, moi-même moi c'est Milias Noxon. Grande question à deux volets. Même à commencer avec opération Varou dédiée. Depuis 12 septembre, on connaît exactement qui est dans le pays. Monsieur était bloqué en bas, tu as environ 2 mois, etc. Jusqu'à ce que pendant novembre, là, on dit qu'il y a une opération policière qui fait et puis débloquer tout ça. Mais on dit que nous toujours visionner vidéo tout ça. Mais est-ce que nous devons comprendre là, monsieur en bas, négar meilleur. Il y a plus de formation que la police, qui prend formation, nous connaît déjà au niveau national et international. Ça fait deuxièmement, moi j'attendais avec attention tout, bilan opération pour présenter pour nous pendant l'année. Est-ce que le gouvernement lui-même est satisfait? Là, nous considérons tout, dans un paquet de côtés, en pile zone, monsieur était toujours occupé, c'est très vieux fait pendant la fête fin d'année, mais ce n'est pas pour pression intervention policière qui est faite. Et ça nous va bien tout. La police elle-même les fait en pile de travail. Merci. L'homme dit que la police a mené une lutte contre les bandits chaque jour. Nous pas sous bonne foi bandits. Ça que nous gagnons sous sacrifice policier, engagement policier dans la rue. Donc, Zam, ça que nous avons gardé là. Regardez, ce n'est pas Zam en plastique, c'est bon Zam. Et ce n'est pas pour toi, bon. C'est sacrifice que nous faisons dans la rue. Pour que nous prenions, affrontions. Donc, nous sommes capables de dire que nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits par rapport à l'engagement et esprit de sacrifice que les policiers ont engagé. Et comme commandant, en chef, nous sommes capables de dire que nous sommes satisfaits. Je dis à nous venir présenter ensemble le travail que la police fait pour montrer que la police là, la travaille. Même là que conditions sécurité pays a amélioration que n'a cherché a nous pas qu'on joue ni j'en souhaite lui mais la police a boumé en pile ces messages ça me dit aujourd'hui.